Et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux aussi d'être dans un contexte où des collègues qui ont beaucoup contribué à la théorie des algorithmes sont confrontés à des physiciens. Puisque vous voyez, la théorie des algorithmes a proposé un nouvel invariant fondamental. Jusqu'aux années 30, il n'y avait que la physique qui nous proposait des grandes symétries. Et encore aujourd'hui, elle est gouvernée par ces visions très riches qui sont propres à la théorie des symétries d'Einstein, Hermann Weyl, etc. Eh bien, dans les années 30, les mathématiques pures, en fait, la logique mathématique a inventé ces nouvelles invariants, la notion d'algorithme. Invariante par rapport au quoi? Au système de calcul. N'importe quel système formel, ou bien certains aspects de du formalisme, calcule au plus les fonctions calculables, disons, à la Turing. Ce qui est très intéressant et qui est un enseignement permanent qu'il faut avoir, c'est que ces résultats sont nés de la tête des trois grands, au moins, il y en a eu quelques-uns d'autres, Gödel, Church, Turing, dans les années 30, et ils sont nés pour démontrer des résultats négatifs. C'est-à-dire, tous les trois ont inventé des différentes notions d'algorithmes, à la fin démontrées des années 30 et démontrées équivalentes, c'est pour ça les grands invariants fondamentaux, pour démontrer qu'il y a des énoncés non décidables, qu'il y a des fonctions non calculables, et ils ont dû préciser donc cette notion. C'est cette attitude critique qui doit gouverner aussi notre attitude dans les tentatives d'enrichir la connaissance. On a vu des très beaux exemples. Puisqu'il faut faire attention. D'un côté, on a un outil d'intelligibilité qui est tout d'abord est une nouveauté radicale par rapport à la physique, puisqu'il vient des mathématiques pures, de la logique mathématique même, des questions fondationnelles. Ces gens-là étaient intéressés au fondement des mathématiques. La machine est née comme conséquence de ces tournants linguistiques qui étaient nés au début du XXe siècle dans les fondements des mathématiques. Et le parcours est très différent, ce qui nous a donné la physique, par ces grands principes qui nous gouvernent encore, les symétries comme loi de conservation. L'hamiltonien gouverne presque toute approche physique. Elle nous donne des géodésiques et d'une façon aujourd'hui tout à fait formidable. Mais il faut faire très attention quand on compare ces différents outils à ne pas les projeter comme quelque chose d'intrinsèque au monde et les transférer dans d'autres disciplines avec trop de facilité. Une des catastrophes, à mon avis, du transfert de la physique des géodésiques a été celui vers l'économie, Walras. L'économie des équilibres, un seul parcours possible, Poincaré, dans une lettre de 1901 qu'il faudrait lire tous les jours, massacre Walras, je n'entre pas dans les détails, pour dire comme ces méthodes à lui que Walras pense utiliser ne sont absolument pas adaptées dans une science historique, où la constitution du sens est de toute autre nature de celle des mouvements des planètes. Et donc, quand on fait des passages de ce genre, il faut faire bien attention. Par exemple, les très beaux exemples que Claire vient de nous montrer, le blob, fait partie d'une construction qui réfère au mouvement. Là, je voudrais rappeler aussi les très beaux travaux d'Alain Berthoz, où l'action, le mouvement, les saccades oculaires par lesquels on précède une proie, donne la courbe de poursuite, qui est une courbe optimale et très difficile du point de vue mathématique. De même, le geste du trait que nous faisons est une courbe que l'on comprend aussi en termes d'une optimalité. Quand il y a du mouvement, c'est le cas. Quand on a à voir avec un phénotype, et la projection qui se fait un peu trop de dire que l'Athènes est un programme, est une distorsion très grave. Typiquement, quand l'ADN interagit dans son vrai contexte, qui est celle d'une cellule, qui est dans un organisme, qui est dans un écosystème, et ces interactions macromoléculaires dépendent, par exemple, il y a des physiciens qui ont vu ça très bien, des torsions, des pressions qui s'exercent. L'expression n'a jamais la structure d'une machine, puisqu'il y a ce qui s'appelle les pissages alternatifs. Des fragments rapprochés peuvent s'exprimer de façon différente. Il y a ce qui s'appelle les overlapping genes, c'est-à-dire il n'y a pas un stop, un go définitif, mais la lecture de l'ADN peut être faite par des fragments différents, encore une fois, dépendant du contexte. Et ce que, de point de vue informatique, peut paraître une erreur, c'est au contraire au cœur du vivant. L'aléatoire n'est pas une erreur. L'aléatoire d'un vivant, à tous les niveaux, de l'interaction macromoléculaire aux interactions entre les cellules, est une composante essentielle de la variabilité, de l'adaptation, de la diversité. Et ce n'est absolument pas... il faut comprendre l'aléatoire donc comme fonctionnel à la stabilité structurelle même du vivant. Une petite population de 1000 individus est plus stable s'il est diverse. Et ceci, c'est l'aléatoire qui contribue à le faire. Notre foi, qui a un nombre modeste du point de vue de la physique des cellules, 500 millions, dans la diversité des productions enzymatiques, permet de résister à la diversité des chocs toxiques auxquels nous sommes soumis tous les jours. Si les poumons étaient faits comme une géodésique qui optimise l'échange des matières-énergie par une surface et dans un volume, on serait tous morts. Notre poumon est toujours un peu différent et varié, ce qui permet d'être adaptif dans des contextes atmosphériques qui changent. Ça, au point de vue de chaque individu et chaque organisme, et surtout, dans une population, la diversité des poumons, des systèmes vasculaires. Puisque le moteur premier de l'activité biologique, c'est les cellules qui se reproduisent, façonnées certainement de forces physiques, mais jamais dans un phénotype, dans un organisme de façon optimale. Cette main n'est pas optimale, l'opposition n'est pas très bien, mais ça suffit pour s'accrocher à une branche. En même temps, puisqu'elle est plate, on peut écraser de la farine, on peut faire mille autres choses. Il y a ces surcharges. Jacob le dit très bien. Et le vivant procède toujours comme si on faisait une boîte de radio avec un vieux châssis de chaise. Évidemment, une telle boîte n'est pas optimale, mais on peut s'asseoir, j'ajoute, pour l'écouter sur la radio. Le vivant est toujours comme ça. Donc, quand on regarde la nature, il faut voir comme dans le passage de l'inerte au vivant, il y a immédiatement cet abîme. C'est-à-dire les lois de conservation en tant que symétrie qui donnent les géodésiques un outil fondamental d'intelligibilité en physique doit être revu dans un contexte où l'aléatoire sur des petits nombres est fonctionnel. Et ça aussi, les petits nombres, j'insiste, 1000 individus, 500 millions de cellules, 50 millions d'alvéoles, ce sont des nombres qui ne sont pas ceux de la physique statistique. Donc, il ne faut pas regarder, il y a des travaux de plus en plus intéressants, comme en faisant des moyennes, par le Central Limit Theorem, le théorème de la limite centrale, mais on doit comprendre comme des fluctuations dans ces nombres modestes, mésoscopiques, des fluctuations sont fonctionnelles à la production des variabilités et diversités. Et en cela, c'est la médiation entre discret et continu qui donne l'intelligibilité. Et donc, pour sa part aussi, cette notion extraordinaire et fondamentale que nous avons inventée, qui est celle d'algorithme. Vous voyez, le monde, lui, il n'est ni discret ni continu. Il est ce qu'il est. Hein. Nous nous sommes donné des outils différents, très différents, qui l'organisent, qui les découpent, qui les qualifient. Les outils du continu, qui ont dominé très longtemps en physique, et les outils du discret. Tous les deux les organisent, mais certainement pas d'une façon définitive. Ce n'est pas vrai que la mécanique quantique nous donne une image discrète du monde. La grande surprise initiale, c'était d'avoir le spectre de l'énergie discret. Ça, oui, c'est tout à fait, c'est comme ça que ça a démarré. Mais le spectre de l'électron lié, l'électron libre a un spectre qui est continu. Et surtout, on ne peut pas départager le monde en petites boîtes de longueur h de Planck, puisqu'il y a des phénomènes d'intrication. N'importe quel observable, on arrive à mesurer, à être dans l'impossibilité de séparer certains événements qui sont intégrés. Donc, et la physique quantique, c'est vraiment le lieu où il exige le dialogue entre ces deux outils de l'intelligibilité que nous nous sommes donnés, le discret et le continu. Il y a continuellement la superposition particules-ondes qui en est au cœur. Donc, si on doit essayer d'utiliser ce nouvel instrument qui est révolutionnaire, qui est la notion d'algorithme, qui nous donne cette intelligibilité, c'est toujours, d'une part, avec ce même regard qui était celui des pères fondateurs, en proposer des limites, et c'est comme ça qu'on l'a inventé, et puis dans ce dialogue avec les autres outils que l'on invente. Typiquement, l'aléatoire. L'aléatoire, il est traité de façon très différente. Dans une machine séquentielle, il n'y en a pas, mais c'est interdit. Il peut y avoir du bruit qui est très différent, il ne faut pas confondre. Et on l'évite, elle marche, dans le sens qu'elle itère toujours à l'identique. Une propriété d'un processus aléatoire est celui de ne pas itérer, de ne pas suivre la même dynamique quand itérer dans les mêmes conditions. Cette machine fait toujours la même chose. Vous pouvez concevoir le plus sauvage des ouragans, l'implémenter dans une machine à état discret séquentielle comme celle-ci, dans une machine à état discret, vous faites « restart », et il va faire exactement la même dynamique non linéaire, ce qui n'a pas de sens physique. Mais c'est très utile, évidemment. On ne peut pas faire des sciences, on ne peut pas faire météorologie sans ordinateur. Mais il faut être très lucide. Cette machine itère à l'identique, c'est son boulot. Puis, on peut introduire de l'aléatoire. Vous savez que la façon la meilleure, c'est d'acheter une petite clé USB très chère à Genève qui produit spin-up, spin-down, selon un électron dans cette clé. Alors là, on a un aléatoire très utilisé par mes collègues en cryptographie, par exemple. Et puis, il y a les réseaux. Voilà l'aléatoire qui se présente. Encore une fois, très différent de celui de la biologie. Pourquoi? Puisque mes collègues qui travaillent sont si bons de l'éviter. Hein? Ils l'appellent « do not care ». Et nous, on ne l'accepte pas. Les réseaux itèrent à l'identique. Vous ouvrez une page web au Japon, une deuxième fois, troisième fois, mille fois, elle doit être identique s'il n'y a pas un homme qui l'a modifié. Et il y a énormément d'aléatoires entre nous et cette page. Typiquement, le parcours sera toujours différent pour des petites fluctuations dues à une pluralité de causes qui vont de la fluctuation thermique, électronique, les questions relativistes et tout. On ne tolère pas la différence, c'est être identique au point que s'il vous faut le double du temps pour l'ouverture d'une page web, vous dites mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, c'est inacceptable, qu'est-ce qu'elle fait cette machine? La machine doit itérer à l'identique. Hein. Donc ça c'est une question centrale. Or, où est-ce cette différence du jeu continu discret? Bernard Riemann, le fondateur de la géométrie différentielle qui sera l'outil principal pour la relativité, le dit très bien. Je traduis, on est au milieu du 19e siècle. Dans les cas des variétés discrètes, la comparaison entre quantités se fait seulement par le comptage. Dans les cas des variétés continues, c'est fait par la mesure et par le comptage des mesures. La mesure, donc la mesure approchée de la physique classique, la mesure indéterministe de la physique quantique, c'est ça l'enjeu crucial. Dans une structure discrète, l'accès est exact. Il peut y avoir du bruit, non pas de l'aléatoire. L'accès exact permet d'itérer n'importe quelle dynamique linéaire une fois discrétisée. Et puis, Riemann continue. Et si la réalité qui est sous-jacente à l'espace forme une variété discrète, nous n'avons que le comptage. Sinon, il faut trouver les fondements des relations métriques dans les forces qui agissent sur elles. C'est ça que Hermann Weyl, en 21, dira, c'est la divination de Riemann. Les forces qui agissent entre les corps dans un espace, c'est justement ce qui permettra à Einstein d'unifier gravitation et inertie. Hein, et donc, les rôles des principes de conservation en tant que symétriques permettent de comprendre, par exemple, la chute d'un corps. Hein, une pomme tombe pour raison de symétrie, dit la physique aujourd'hui. Et ceci dans un cadre où les lois de conservation qui sont des symétries, théorème de Noether, sont des lois dans le continu et d'une façon intrinsèque dans le continu. Donc quand Wolfram et d'autres qui les suivent aussi en France nous disent que les lois de la physique sont elles-mêmes des algorithmes, donc qu'une pomme tombe puisqu'elle est programmée pour tomber, ben heureusement la physique n'est pas beaucoup affectée puisque dire qu'une pomme tombe pour raison de symétrie, c'est le maximum, disons, de cette construction de connaissances qui commence avec Euclide. Le rôle de symétrie passe par Galilée, Descartes, Newton, Einstein. Mais malheureusement, quand on nous raconte que l'ADN est un programme, dans la difficulté d'une théorie de l'organisme, ceci a eu un certain succès, avec des distorsions très graves, typiquement au niveau de l'aléatoire, hein, puisque cette vision a fait voir l'aléatoire comme du bruit au lieu que constitutif de la diversité, donc de la stabilité structurelle du vivant, et aussi comme distorsion des analyses fines, des interactions macromoléculaires. Je suis très impliqué grâce aux biologistes avec qui je collabore sur les analyses des perturbateurs endocriniens. Nous avons mis 80 000 molécules au XXe siècle, artificielles dans l'écosystème. Maintenant, il paraît qu'on a atteint les 100 000 molécules artificielles. Et les cocktails de ces molécules sont peut-être à l'origine du fait que l'incidence du cancer a doublé dans les derniers 40 ans. qu'il y a eu des phénomènes gravissimes dont on a parlé quelques jours sur les journaux qui après ont été oubliés, que la densité des spermatozoïdes des hommes occidentaux était réduite de la moitié. Et une biologie centrée sur la vision du programme de l'interaction exacte n'a pas vu les rôles stochastiques, improbabilité basse, mais consistante, non nulle, des molécules très différentes, parfois petites, mais qui entrent en jeu, puisque toute interaction macromoléculaire est largement stochastique, dépend massivement du contexte, et elle se donne donc en probabilité. Il suffit de changer les contextes et l'activité des récepteurs cellulaires peut changer, puisque même les constantes d'interaction peuvent dépendre du contexte. Et encore une fois, en principe, ceci est une composante essentielle de cette production de diversité propre à la biologie, mais évidemment, ça peut aussi être quelque chose qui est un perturbateur d'une activité biologique. Donc, il faut mêler les deux regards pour apprécier comme un outil de connaissance dont, évidemment, l'usage principal est celui de l'implémentation, du modélisation, mais qu'il y a aussi cet outil d'intelligibilité dont Claire nous a parlé. Mais il faut toujours mêler les deux regards pour en comprendre les limites, puisque autrement, on risque de plonger dans une mystique comme c'est ceux qui nous ont raconté trop longtemps que le cerveau est une machine 0,1, une machine programmable, disons l'intelligence artificielle forte, qu'aujourd'hui n'existe plus, hein, puisque le deep learning, c'est-à-dire le fait d'être passé par les réseaux de neurones à plusieurs couches, a totalement changé l'approche de l'intelligence artificielle. Et attention, ils ont eu des difficultés, nos collègues sur le réseau neurones. Ils ont été inventés, Rosenblatt, c'est les années 50, et Le Cun, ici à Paris, dans un exposé il y a quelques années, un des plus illustres personnages sur ce thème des réseaux de neurones, le deep learning, nous expliquait les difficultés qu'il y a eu. Et elles sont dues aussi, encore une fois, à une projection sur une structure inappropriée d'une vision des algorithmes. Puisque quelle était la réponse ? Théorème de Minsky. Les réseaux de neurones qui étaient des années 50, bidimensionnels, des interactions dans le continu, le théorème disait qu'ils ne calculent pas plus que les fonctions Turing calculables. Ce qui est vrai, mais encore une fois, ce qui a été extrait, c'est un système formel basé sur ces réseaux sous-jacents. Ce système formel étant hilbertien, évidemment, ne définit pas plus que les fonctions calculables. Du point de vue algorithmique, sur cette lecture, ils ne font pas plus que ça. Et c'est vraiment pas intéressant, puisqu'ils font autre chose. Après, quand il y a eu l'idée d'en mettre plusieurs couches, et maintenant mes collègues, il y en a vraiment qui font des excellentes mathématiques, à travers une cascade d'opérations linéaires et non linéaires, filtrage, convolution, filtrage, convolution, arrivent dans le continu sur des systèmes qui dérivent de la physique mathématique, les ondelettes, les systèmes de renormalisation, font vraiment des miracles dans la reconnaissance de l'image. Puis, il faut l'implémenter, évidemment, et c'est un coup de bouteille, il faut reconnaître. Il y a des immenses difficultés dans l'implantation de ce cadre d'intelligibilité. Est-ce que ces systèmes calculent la même classe de fonctions? Disons, ce n'est pas la bonne question. Ils font une constitution d'invariants dans le continu à travers des méthodes de mathématiques extrêmement fines, largement empruntées de la physique, qui donnent ces invariants fondamentaux d'images statiques. Là aussi, il faut dire que c'est très important, la reconnaissance des photos, des images, évidemment du mouvement quand il est immobilisé dans une trajectoire a posteriori ou quand on fait des photos. Et là aussi, alors il faut dire une chose. C'est très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a là un tournant radical, intelligence artificielle, pas facile. Mais ils connaissent des images, donc une trajectoire au plus, c'est vu quand elle est statique ou quand c'est une succession d'images. Évidemment, ceci n'a rien à voir avec la reconnaissance que font les animaux de ce qui se passe autour. Puisque nous, les vertébrés, nous ne voyons que le mouvement. Et les grands vertébrés comme nous, nous avons 6 muscles autour de l'œil qui bougent tout le temps, des saccades d'inconscience à la plus grande vitesse possible. Ce sont les muscles les plus rapides qui font bouger les objets. Si on les immobilise, on ne voit plus rien. C'est comme ça qu'un aigle voit une souris qui se cache derrière un buisson à 200 mètres, mais si on lui montre la photo d'une souris, l'aigle ne la voit pas, hein. Donc, soyons conscients que quand on a ces outils, ce sont des outils de connaissance et des outils d'action mais il faut toujours les confronter à d'autres formes de construction des connaissances qui sont propres à l'activité humaine et dans laquelle la physique nous a donné une vision richissime. Disons, le fait même que les physiciens ont eu l'audace que chaque fois qu'on change d'échelle, on change radicalement de cas théorique, ce qui est passé entre mécanique quantique, mécanique classique, relativité, mais pas seulement, aussi l'hydrodynamique. Hein. L'hydrodynamique en tant que science des fluides incompressibles dans le continu n'est pas comprise en termes quantiques. Il y a un très beau livre sur ça des collègues physiciens Vulpiani qui travaillent. Il y a un très grand effort de nouvelles théories, d'unification, hein, ce qui est la bonne attitude, mais sûrement pas de réduction de l'hydrodynamique à la physique quantique. Il faut changer de niveau et il faut, pour se donner une intelligibilité, unifiée en tenant compte des diversités des approches. Du reste, les réductions sont très rares. Et ce qu'il y a eu, ce sont été des unifications. Et chaque fois, c'était des révolutions. Newton, qui unifie les pommes qui tombent et les planètes qui voyagent. Maxwell, électricité, magnétisme, optique. Et Boltzmann. Et chaque fois, c'était l'invention d'une nouvelle théorie qui permettait de voir ensemble des cas théoriques différents, les discrets du particule d'un dernier cas d'un gaz et les principes de la thermodynamique. Et de façon asymptotique. C'est pour ça que je suis d'une part un enthousiaste de l'originalité des notions d'algorithmique du point de vue mathématique et de l'autre, toujours très attentif de ses propriétés pour les comparer à l'intelligibilité du monde. Un exemple typique, c'est la grande invention de Turing, le départage mathématique, qui était déjà de facto implicite dans la transmission de l'information, mais le départage mathématique entre logiciel et matériel. Les instructions d'une part, la structure matérielle de l'autre. Ce qui a permis d'inventer une théorie du logiciel tout à fait indépendante, dans laquelle, en tant que mathématicien, j'ai longtemps travaillé. Et c'est formidable, on s'en fout totalement du matériel, hein. Et puis les ingénieurs suivent et font de ces machines qui sont absolument extraordinaires, qui sont incroyablement stables, quoi qu'il y ait un flot continu d'électricité à l'intérieur, des transitions critiques, des switches manient les choses que nous, on ne voit que la structure discrète, on peut faire de la programmation très bien, et ça c'est formidable. Mais par exemple, quand on projette cette idée sur le vivant, l'erreur est gravissime, puisque il y a une radicale matérialité du vivant. Le vivant ne se fait qu'avec cet ADN, ces membranes, cette structure en tant que telle, la chair en tant que telle. Et quand, en biologie de synthèse, on fait quelque chose de nouveau, et c'est remarquable ce qu'on y fait sur les batteries, on prend un brin d'ADN qui est déjà là, ou on fait une chimique identique, on le place dans une autre batterie ou dans la membrane déjà donnée d'une batterie, avec cette matérialité. Le départage, ce dualisme féroce, pire que celui de Descartes, que nous avons inventé, logiciel par rapport à matériel, n'a rien à voir avec la radicale matérialité du vivant qui ne se fait que sous ces matériels. Donc ce détachement, encore une fois, de l'intelligibilité par rapport à une propriété fondamentale. Il n'y a pas cette invariance qui est au contraire la richesse de la notion d'algorithme. Ben, la dernière aventure insensée est celle des big data sans science. Vous savez qu'il y a toute une filière qui dit maintenant donnez-moi cette donnée et avec la découverte des irrégularités sur les données, je vais pouvoir prédire et agir sans comprendre. Il y a eu un article en 2008 qui a démarré cette filière et qui est assez forte pour laquelle, par exemple, on a donné 280 millions de dollars pour la collection des big data sans comprendre tous les omics, métabolomics, génomics, protéomics, dans l'espoir que sur 10 millions de patients, prendre tous les omics, mon estimation grossière, c'est qu'ils auront environ entre 10 à la 15 et 10 à la 20 nombres. Hein, donc et ils disent, avec ça, il suffira de découvrir les régularités, la thérapie suivra, même sans comprendre. Or, heureusement, les mathématiques permettent de dire que ça ne marche pas. Hein. Il y a une très belle théorie qui s'appelle théorie de Ramsey, qu'on a utilisée avec un collègue mathématicien néo-zélandais, qui dit très rapidement, les théorèmes sont très difficiles, notre application est facile. Donne-moi une régularité, on peut définir ça avec quelques paramètres. Je peux calculer un nombre tel que tout ensemble de nombres de cette cardinalité, de ce nombre, contient ta régularité. Donc même si ton ensemble de nombres est produit par des processus aléatoires, des mesures quantiques, n'importe quoi, on trouve des régularités qui évidemment ne permettent ni de prédire, ni de, agir. Hein. Puisque là, une dernière remarque, c'est le départage qu'on doit faire par une invasion même de la pensée, par ces genres d'attitudes. Vous voyez, la pensée humaine est très riche, se fait par différentes choses. C'est une erreur gravissime de dire qu'elle est élaboration et transmission de l'information. Encore une fois, deux théories, l'élaboration et la transmission de l'information, formidables, très riches. Et il y a cette composante, certainement, même purement formelle dans la pensée humaine. Mais il y a aussi l'imagination des configurations des sens, ce qui fait toujours le mathématicien. Quand Euclide invente la ligne sans épaisseur qui n'est aucune part, grâce à toute une philosophie, Platon, etc. Quand on invente la notion de topos en mathématiques, mais aussi quand on invente les configurations des étoiles dans le ciel qui n'ont pas de sens, mais on donne un sens à cet insensé des petites lumières dans le ciel. Cette imagination de configuration de sens est l'autre composante essentielle de l'intelligence. Et puis il y a une autre, l'expression de l'émotion. Même en science, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de compréhension réciproque sans arriver à communiquer l'émotion. L'émotion, la réaction émotive, et qui paraît, et il y a des évidences récentes, déformer même la vision. Le cerveau, au niveau du cortex primaire, le plus proche à la rétine, on dirait le cerveau, mais les plus proches dans le parcours cérébral, le cerveau est influencé par l'émotion dans l'interprétation d'une image massivement. Mais ces trois composantes ne peuvent pas se départager. Les risques, quand on nous parle de l'intelligence seulement comme élaboration et transmission de l'information, qu'on tombe à isoler les autres deux composantes, dont la dernière, l'expression de l'émotion, qui, pour certains politiques, est devenue la seule façon de communiquer. Quand on fait des tweets très tôt, très rapides, seulement pour stimuler une réaction, pour communiquer une émotion, alors c'est la catastrophe. Les deux composantes isolées n'ont pas de sens par rapport à l'expérience humaine. Face à cette nouveauté des algorithmes, les réseaux, nous avons vraiment une bifurcation à vivre, où on utilise les réseaux pour augmenter la diversité et la richesse de l'interaction, ou on les utilise pour faire un champ moyen, dans le sens de la physique, c'est-à-dire pour devenir tous gris, ou tous moyens, tous identiques. C'est un choix à faire qui est un choix sociétal et des constructions de sens. Le plaquage tel quel de chacune des notions propres à la connaissance scientifique, sans ces dialogues richissime, nous montre un homme dépourvu d'une part des émotions et du sens seulement vers l'élaboration, ou au contraire, visant seulement à la réaction émotive immédiate qui conduise l'action humaine. Et je voudrais conclure en citant Simondon, que un des organisateurs, Vincent Bontemps, connaît très bien, quant à la comparaison entre machine et humain. La machine peut se dérégler et présenter alors les caractéristiques de fonctionnement analogues à la conduite folle chez un être vivant. Mais elle ne peut pas se révolter. La révolte implique en effet une profonde transformation des conduites finalisées et non pas un dérèglement de la conduite. Ok, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cet exposé. Nous avons 10 bonnes minutes pour discuter. Donc, voilà, la parole est à celui qui la demande. Bonjour, merci pour votre exposé très, très riche. Je voulais revenir sur, effectivement, le vivant, la biologie, l'expression des gènes dans leur contexte, dans leur environnement. Pour clarifier clairement, est-ce que c'est finalement ce qu'on appelle l'épigénétique? L'épigénétique, voilà, ce point-là, s'il vous plaît. Oui, l'épigénétique, pour que ça ne reste pas seulement au niveau du protéome. C'est-à-dire, il y a ce contexte, comme disait Annick Lenn, d'autres physiciens ont fait un travail absolument remarquable sur le rôle des pressions et des torsions sur la chromatine, la structure qui soutient l'ADN, dans l'expression génétique. Et ces pressions-torsions dépendent du contexte, donc du niveau où se trouve dans l'embryogenèse les tissus en train de formation, typiquement. Il y a d'autres effets physiques, type la structure de cohérence de l'eau. Un organisme qui a 10 à la 13 cellules, comme nous, hein, c'est une chose très drôle. Il y a plein de compartiments, 10 à la 13, et chacune des cellules eucaryotes a des compartiments à l'intérieur. La physique n'a jamais travaillé ça. Il y a beaucoup d'eau. Et ce qui se passe, c'est que l'eau, et ça c'est un phénomène aussi dans ces vers, mais il est négligeable, près des parois, et trouve une structure de cohérence, c'est-à-dire il y a les spins des molécules qui s'orientent ensemble. Négligeable dans un verre, pas du tout dans une structure où chaque molécule d'eau est à quelques nanomètres d'une paroi. Ceci contribue à l'augmentation du mouvement brownien des autres molécules qui ne sont pas d'eau. Typique remarque physique fondamentale qui, malheureusement, n'est pas assez considérée. Oui, si on met tout ça dans l'épigénétique, en plus de l'interaction tissu-organisme-écosystème triangulaire, alors oui, effectivement, c'est ça. Et il ne faut pas la réduire seulement au protéome, hein, aux molécules.